Salut! Today, we're heading to France, but we're actually going to be traveling the world a little bit. Because in this video, you're going to hear about a French traveler talk about her multiple trips to both French-speaking countries and English-speaking countries that she's been able to visit. Salut! My name is Rochelle DeMeo, your native French instructor from Belterre Academy. And I'm here with... Magali! Bonjour, Magali! Bonjour! Alors, parle-nous un petit peu de tes voyages. Alors déjà, peut-être pour commencer, tu peux nous dire un petit peu où c'est que tu as pu voyager. Ouais, alors dans un premier temps, en fait, je suis partie un an aux États-Unis et j'ai été jeune fille au pair à San Francisco. J'ai adoré la Californie. C'est vrai que j'étais basée à San Francisco pendant un an, mais j'en ai profité vraiment pour découvrir les États-Unis un petit peu. Voilà, j'en ai vraiment profité pour me promener dans le pays et c'était vraiment top. Et puis après, par la suite, j'ai vécu 2 ans, donc c'était principalement à Sydney, en Australie, mais c'est pareil, j'en ai profité pour aller me promener un petit peu partout. En Océanie, donc j'ai vraiment profité de l'Australie, et puis après j'ai voyagé un petit peu en Nouvelle-Zélande, en Polynésie, et puis après entre tout ça, ben j'ai fait pas mal de voyages en Europe, et puis un petit peu en Asie. Je ne connais pas du tout l'Amérique latine ou l'Amérique du Sud, et je ne connais pas encore l'Afrique. Excellent, excellent. Alors du coup, tu as pu quand même explorer pas mal d'endroits, donc francophones et anglophones. Et de tes expériences, comment tu pourrais un petit peu comparer les deux? Alors, il y a plusieurs points que je me suis noté d'ailleurs. Déjà, en France, vraiment quelque chose de bête, mais c'est vraiment en France, on se fait la bise quand on se dit bonjour. Dans les autres pays et dans les pays anglophones, bien souvent, soit on se fait un hello, hi, ou sinon on se fait juste un câlin aussi parfois. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas trop en France. Je pense que les personnes françaises qui ont eu l'habitude de voyager le font peut-être plus facilement en rentrant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas nous, on a vraiment l'habitude de faire la bise. Alors maintenant, avec le Covid, on n'est plus du tout amené à le faire. Je ne sais pas comment tout ça va évoluer par la suite, est-ce qu'on va reprendre à un moment donné nos habitudes de se faire la bise quand on se voit, ou pas, je ne sais pas. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté? En France, on mange à table. Mmh, ah oui. Et le midi, on mange en France, alors que c'est vrai que donc moi, j'ai vécu dans une famille aux États-Unis et dans une famille en Australie, et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de manger à table, surtout le midi en fait. C'est vrai que dans les pays anglophones, on est souvent amené à manger, comme on dit en France, sur le pouce. Donc soit on mange et on se promène, soit on mange et on est en train de travailler même, ou on a une pause de 30 minutes. Je sais pas comment c'est exactement aux États-Unis, mais en Australie, c'est une pause de 30 minutes. Donc c'est assez court. En France, on a l'habitude d'avoir une heure et demie ou 2 heures de pause le midi vraiment facilement, quoi. Donc ça, c'est quand même des grosses différences. Ça, c'est vrai, hein. Ça t'a un peu choqué ou... En Australie, ils n'avaient pas du tout l'habitude de manger à table, et ça, c'était un peu déstabilisant pour moi, parce que c'est vrai que nous, on prend le temps de manger, c'est vraiment un plaisir, on prend le temps de manger, on prend le temps de se faire à manger, de s'installer, et c'est vrai que ce n'est pas toujours été le cas dans les pays quand je me suis promenée, on n'accorde pas la même importance finalement à ce repas, et c'est vrai que nous, en tant que Français, quand on mange, c'est un moment de partage aussi finalement. Oui, c'est vrai ça. Après, ce que j'ai remarqué aussi, le soir, dans les pays anglophones, on mange super tôt. Je sais pas, peut-être aux États-Unis, des fois, on mangeait, il était 17h30. Enfin, nous, 17h30, c'est l'heure du goûter, peut-être. c'est vrai qu'en France, on mange autour de 19h30, 20h. Même, j'ai envie de dire, en Europe, en Espagne, on mange le soir, on mange à 22h. Mais c'est vrai que, et même c'était comme ça aussi en Australie, on mangeait plutôt vers les 18h, 18h30. Donc, c'était un peu plus raisonnable que 17h, 17h30. Je ne sais pas si c'était comme ça dans toutes les familles aux US ou en Australie, mais en tout cas, moi, dans ce que j'ai vécu, c'était comme ça. Oui, ils mangent
beaucoup plus tôt. Donc ouais, c'était assez spécial au début. Après, j'ai pris mon rythme, je me suis adaptée, mais c'est vrai qu'au début, ouais, c'était plutôt l'heure du goûter pour nous. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Le système de santé est super cher à l'étranger. Je me souviens, au bout de quelques semaines, je suis arrivée aux États-Unis, j'étais malade et je me suis dit vraiment, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, il faut que j'aille voir le médecin. Et je suis arrivée et en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai demandé à l'accueil combien ça va me coûter la consultation en fait. Et je crois qu'on m'a répondu un truc du style 250-300 $ et je me suis dit ok, bon ben c'est tout, je m'en vais, je rentre chez moi, je suis plus malade. C'est vrai que nous en tant que Français, on a l'habitude de payer, je sais pas, je crois que c'est 25 € la consultation, mais on est toujours remboursé une partie par la sécurité sociale française. Et voilà, on a vraiment une chance en France d'avoir toutes ces aides finalement qui nous aident bien. Mais oui, ça a été vraiment une différence culturelle. En Australie, c'est aussi cher la santé, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins cher. Une des différences. Les forfaits téléphoniques, c'est super cher à l'étranger. Nous, en France, par exemple, avec Free, forcément, il n'y a pas grand-chose dans le forfait, mais il y a des forfaits super, super cheap. Par exemple, je sais pas, ça va être 5 €, par exemple. C'est rien du tout. Je sais que en Australie, je payais 30 ou 40 $ pour mon abonnement au mois, mon forfait. Je sais pas combien c'est aux États-Unis, mais il me semble que c'est cher aussi. Encore plus cher, ouais. Ça en a au moins pour 50 $ par mois, au moins. Mais ouais, c'est vrai qu'en France, on arrive à avoir des prix quand même assez intéressants pour pouvoir communiquer. Autre chose que j'ai remarqué, en France, on prend l'image de Paris, l'architecture, elle est vraiment unique. C'est vrai, quand on se promène dans la ville, tout est waouh, tout est tellement travaillé, les buildings, ils sont tellement travaillés. Et en fait, c'est vraiment pas... Tout est bas, finalement. Et quand on arrive aux États-Unis, dans les grosses villes aux États-Unis, les buildings, ils sont énormes. Enfin, ça, c'est vraiment c'est waouh, en fait. Enfin, moi... Une de mes premières destinations que j'ai fait aux États-Unis, c'était New York. Et pour le coup, c'était vraiment complètement l'opposé. En Australie, c'est moins... Sydney et Melbourne sont un petit peu... un petit peu plus gros, il y a un petit peu de building. Mais c'est vrai qu'en Australie, à partir du moment où on sort de ces villes, c'est beaucoup plus... C'est rural, finalement, et c'est un peu plus ce qu'il y a de comparable à chez nous, en fait. Excellent. Et du coup, qu'est-ce qui te passionne par tous ces voyages que tu as pu faire? Parce que c'est énorme de passer des années de sa vie carrément loin de son pays natal. Donc, qu'est-ce qui te passionne par ces voyages? L'idée, c'était d'aller voir ce qui se passe finalement ailleurs. C'était de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, de pouvoir connaître un petit peu leur culture, la manière dont on vit aux États-Unis ou en Australie. L'idée pour moi de partir à l'étranger, c'était aussi d'apprendre l'anglais. Quand j'étais à San Francisco, du coup, j'ai été faire des cours d'anglais au City College, je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, c'était bien aussi d'être dans une école à l'étranger, de voir comment ça se passe. Et puis tout simplement de voyager, de voir des nouveaux paysages. Donc c'est vraiment la découverte, l'envie de découvrir qui m'a poussée à partir en fait, à l'aventure. Petite pause, si cette vidéo vous plaît, mettez un petit like s'il vous plaît et dites-nous-le. Alors, reprenons Magali, du coup, quels seraient peut-être des conseils que tu pourrais donner aux anglophones qui aimeraient voyager, et notamment dans des pays francophones, pour vraiment avoir une bonne expérience, s'intégrer, vivre vraiment la vie là-bas, en dehors de juste être touriste et avoir un avant-goût ou une expérience peut-être un peu différente en tant que touriste, par rapport à genre vraiment vivre la vie là-bas? Quels seraient des petits conseils que tu pourrais donner à nos amis anglophones? Mais mon conseil, ce serait déjà dans un premier temps d'apprendre quelques mots de français. C'est super important parce que nous, en France, on parle pas très bien les langues. Et du coup, en fait, on s'attend à ce que la personne qui vient dans notre pays pour visiter notre pays parle le français, en fait. Et c'est vrai que finalement, si quelqu'un
un anglophone s'adresse à quelqu'un dans la rue en anglais, ben, peut-être à Paris, forcément, il y aura quelqu'un qui va répondre parce que ben, on parle aussi anglais à Paris. Mais à partir du moment où on sort de ça, à mon avis, ça peut commencer à être compliqué finalement. Donc apprendre quelques mots de français pour venir en France, c'est très important pour s'intégrer. Alors pas forcément être obligé de faire des phrases, mais bonjour, merci, au revoir, je sais pas moi, quelques mots de vocabulaire par exemple pour aller au restaurant, pour être à l'aise et pour comprendre un minimum. Peut-être, bon, maintenant on a Google Translate, donc voilà, ce sera important de l'avoir. Peut-être un petit dictionnaire de poche pour aider aussi. Mais oui, mon conseil principal, ce serait d'apprendre quelques mots de français pour être à l'aise, pas se sentir perdu. Il y a une autre chose que je veux aborder. Tous les Français ne sont pas rude, parce que c'est vrai que ça peut être aussi l'image que moi j'ai voyagé dans pas mal de pays, et c'est vrai que souvent on nous dit ah mais les Français vous êtes connus pour être un peu mauvais ou un peu méchant, donc tout le monde n'est pas mauvais ou méchant. Vous allez forcément tomber dans votre séjour sur quelqu'un de gentil, sur quelqu'un qui parlera l'anglais, qui pourra vous aider. Donc voilà, ne pas venir avec l'idée en tête que les Français ne sont pas accueillants, parce que ben voilà, il y a tout type de personnes et vous serez sans doute très bien accueillis. Profitez de la gastronomie française, c'est quelque chose que je pense que voilà, aller manger une bonne baguette, aller manger un bon croissant ou une bonne pâtisserie. C'est vrai que voilà, c'est quand même ce qu'il y a de typique chez nous. La gastronomie, c'est quand même quelque chose que l'on sait bien faire. Même si à l'étranger, il y a des très bonnes pâtisseries françaises, ça. Mais c'est vrai que voilà, profiter de venir en France pour, je sais pas, boire un bon vin ou un bon champagne ou de la bonne nourriture française. Là, je parle de la France vraiment, qu'il est facile de voyager en train. Et c'est vrai que dans un pays comme les US, où finalement c'est pas un mode de transport qui est vraiment beaucoup utilisé, je pense qu'on peut venir en France en se disant bah ouais, je vais prendre le TGV, c'est assez rapide. Par exemple, je sais pas, je suis à Paris, je veux aller à Lyon, j'en ai pour 2 heures. Enfin, c'est quand même c'est faisable en fait. Voilà, peut-être que ça peut être un moyen de se déplacer en France. Ça peut être une solution. Qu'est-ce qui, toi, comment tu as pu t'intégrer dans des pays anglophones en voyageant? Est-ce qu'il y avait des petites choses que tu as pu faire pour vraiment t'intégrer, ou c'était juste toi, ouverture d'esprit, ou... Alors moi, j'ai beaucoup voyagé seule, donc du coup, être seule, en fait, ça te permet d'être ouvert aux autres, alors que quand tu voyages avec quelqu'un, bien souvent, ben, c'est tout, tu voyages avec cette personne, et puis tu es peut-être un petit peu moins ouvert à ce qui peut se passer et aux autres personnes. Donc moi, j'ai voyagé solo, donc ça m'a aidé à m'ouvrir. Et ensuite, je me suis logée dans des auberges. Donc les auberges, c'est vraiment le lieu pour rencontrer d'autres personnes qui sont aussi seules. Et donc du coup, franchement, j'ai vécu des moments dans des auberges avec des gens que j'ai rencontrés dans des auberges. Ça a été génial. Par exemple, je prends l'exemple de... j'ai été faire mes 29 ans. J'avais pris mon billet d'avion donc je suis partie toute seule, j'avais pris mon billet d'avion pour aller à Athènes. Et en fait, ben, je me suis retrouvée à fêter mon anniversaire avec des gens que je connaissais même pas, des gens de l'auberge. Enfin, ça a été génial en fait. Ça a été vraiment... J'ai fini, en fait, il y a une fille qui est arrivée dans ma chambre d'auberge le jour de mon anniversaire, et donc c'est tout, on commence à discuter, puis elle me dit « Tu fais quoi ce soir ?» Je dis « Bah écoute, je pense que je vais aller au restaurant. » Mais j'étais toute seule, hein. Je dis « Je pense que je vais aller au restaurant, c'est mon anniversaire. » Et puis du coup, elle me dit « Ah ouais, ben je viens... » C'était une américaine d'ailleurs. Et elle me dit « Ah ben, je viens avec toi et tout. » Et en fait, elle m'a invitée à dîner pour mon anniversaire. C'est gentil. J'ai trouvé ça génial, quoi. Mais c'était vraiment tellement naturel, en fait. Ça a été tellement spontané. Et je me suis dit, c'est génial, en fait. Enfin, et on a passé un excellent moment. Et donc, après ce dîner qu'on a fait, bon, on a rejoint des autres personnes de l'auberge, parce qu'il y avait une soirée, en fait, à l'auberge. Et du coup, on s'est retrouvés tous ensemble. Et puis, on a fait l'anniversaire. Non, ça a été génial. C'est excellent. Bah, je trouve que c'est super. Alors, quelles questions est-ce que vous auriez pour Magali? Écrivez-les dans les commentaires ci-dessous. Do you have questions for Magali? Write them in the comment box below. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt, les amis. Merci.